what do you think of the French fans? Oh, you guys are really loud. Very, very welcoming though, so thank you very much. Et vous êtes très accueillants. Merci beaucoup. Sophie, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière Game of Thrones a changé votre vie? Could you tell us how the... I'm gonna translate. Don't worry. Could you tell us how Game of Thrones changed your life? It's definitely changed it for the better. I think Game of Thrones is just a once-in-a-lifetime kind of thing, and I'm not going to get anything like it again. It's made it a wonderful adolescence for me, and thank you to all of you for that. Mais je vous résume quand même, c'est une expérience extraordinaire. Sophie pense qu'elle ne revivra plus jamais quelque chose comme ça et elle vous remercie énormément de l'avoir lui avoir permis d'avoir une adolescence merveilleuse. Liam, vous avez une façon magnifique de rappeler que Game of Thrones, ce ne sont pas que des aventures, des guerriers, de la fantasy, c'est aussi un drama, un vrai drama. So you have a very beautiful way to remind us that Game of Thrones is not only about fighting warriors and war, it's also just like a very beautiful TV drama. Yeah, it's just, it's extraordinary. That, I think there's a backdrop. The fantasy thing is a backdrop, but what you have is an extraordinarily strong story with jealousy, with power, with legacy, and it's just an extraordinary thing to be a part of. I mean, we are fans. You have to remember how big the cast is. We're three small pieces of this huge puzzle. So when we see the show, we are exactly the same as you. We are truly fans of the show, and we're very happy that you're here, and you're very welcome. And you're watching it with a room full of fans, and it's going to be magnificent. You're going to love this. Donc, je vais vraiment résumer de chez résumé. La fantaisie dans Game of Thrones, toutes ces guerres, c'est aussi un background pour des histoires de famille, des histoires d'amour, des histoires de trahison. Et Liam rappelle que eux aussi, les comédiens, le cast, sont hyper fans de la série, comme vous, et que là aujourd'hui, ce sont juste trois personnes normales, super heureuses de vous rencontrer et de faire partie de cette aventure absolument incroyable. Et il nous disait que l'épisode qu'on allait voir allait être un peu dingue. Mais c'est ça. C'est un peu la femme la plus badass de la série, quand même. Donc j'aimerais savoir de quelle manière elle peut vous inspirer dans votre vie quotidienne. So, like you understood, I said you are a very badass lady. Maybe the most badass lady of the show. And I wanted to know how your character inspired you in your daily life. I feel inspired by Arya and her ability to say exactly what she thinks and not beat around the bush. And I think that's what everyone kind of loves about her. And just, you know, her kind of effortless kind of manner, really. And I feel like we all kind of like that about her. And yeah, that's kind of how she inspires me. I wish I was cool as cool as her. That'd be nice. You can shout really loud. Donc, ce qu'elle aime Maisie dans le personnage d'Aria, c'est qu'elle dit ce qu'elle pense, qu'elle se fiche de savoir si ça plaît aux autres ou pas, et que c'est quelque chose de très inspirant. Oui, badass, oui. Et qu'elle espère, dans la vie, être aussi cool que son personnage à l'écran. Sophie, I have a tricky question for you. Sophie, j'aimerais savoir quelle est l'offre la plus dingue que vous ait fait un fan ou un ami pour vous piquer des informations secrètes sur cette saison, par exemple, sur un épisode à venir. So what is the most insane offer that you've had from a friend or from a fan to try to get secret information about what's going to happen next? Maybe if you want something to be offered to you, it's the moment to ask for it.
A Ferrari. Yeah, that would be nice. Get me a house in Paris. I don't know, I haven't really had anything crazy. Maisie and I were at one point in New York and this guy came up to us and was like, "Kay, can I have your number? I'm such a big fan." And he was like, "We can go for a walk in Central Park." We were like, "Yeah." We were like, "No, thanks." And I think that was probably just a plea for some information on GOT, but lips are sealed. Donc là, ce qu'on disait, c'est que, à la limite, une maison à Paris, ça lui ferait bien plaisir pour avoir quelques infos. Et elle racontait qu'en se baladant avec Maisie à New York, un mec un peu sûr de lui est venu leur demander leur numéro de téléphone et faire le malin. Donc c'était sûrement une façon détournée de demander ensuite des informations, mais il n'a rien eu car ici, on se tait. Oui. Liam, on sait que dans Game of Thrones, on peut mourir à peu près n'importe quand, sauf ce soir. Donc j'aimerais savoir si vous êtes allé fouiller dans les livres pour savoir combien de temps il vous restait, si vous pouvez planifier des vacances ou des choses comme ça. Hold on. In Game of Thrones, death is everywhere. You might die at any second. So I was wondering whether you've been searching in the books, how long you had left, if you could plan any holidays soon, or have you been checking? Well, my bank manager is very scared. Son manager a très peur. So somebody did ask me if I'm going to die in Game of Thrones, how would I like to die? And I said, of old age. Quelqu'un lui a demandé s'il allait mourir et comment il aimerait mourir, et il a répondu qu'il aimerait mourir de vieillesse. Effectivement, c'est une bonne idée. De ne pas nous spoiler, de toute façon vous n'avez pas le droit, donc comme ça on est tranquille, mais est-ce que chacun à votre tour vous pouvez nous donner en quelques mots votre définition de cette quatrième saison? On est tous en train de devenir fous, je pense. So without spoilers, but we know you're not allowed to, so everything's fine. Could you in a few words, each of you, define for us this fourth season? I feel like HBO did it pretty well by saying, "Bala Morghulis, all men must die." I think that's a great kind of insight as to what's to come for the new season. And I think people should read more into that than they are. The fact that all men must die, not necessarily good guys, not necessarily bad guys, everyone. Except Davos. Donc ce que Maisie nous rappelle, mais qu'on sait déjà, c'est que tout le monde peut mourir dans Game of Thrones. Parfois ce sont les gentils, parfois ce sont les méchants, c'est même plutôt les gentils pour l'instant. Et évidemment, Lya lui rappelait que tout le monde, oui, sauf Davos. I can't give an answer as good as Maisie's. I think maybe the fact that it's Game of Thrones and here, there'll be sex, there'll be violence, and there'll be death. There you go. Bon, je pense que tout le monde a compris, mais il y aura du sexe, il y aura de la violence. Bon, c'est du bon Game of Thrones, quoi, en fait. Hein? One thing I will say that's slightly different about this season, for three seasons we've kind of been building up slowly to episode 9, and when we had this huge drama, it's different this year. There's going to be huge moments very early on in the series. It's going to be enormous. I'm not going to tell you what they are, but it's coming. And winter is coming. Donc, Liam m'explique que pour l'instant, les saisons ont pris leur temps, ça s'est construit petit à petit pendant 3 ans, et que là, c'est un peu l'année où tout va péter. En gros, les problèmes vont arriver dès le premier épisode, ça va être sanglant, ça va être la guerre. It's gonna be war. Et cette fois, l'hiver arrive vraiment. Est-ce que vous pouvez nous donner chacun votre meilleur souvenir pour le moment de ces tournages? Can each of you give us their best memory of the shooting so far? The
there's so many. Things like this, really, and the premieres, and you know, getting to kind of see the fan reaction to the show is absolutely fantastic. And really kind of makes this all worthwhile, and you forget how massive the show has got in so many different countries. And it's so lovely to come and do these things and meet you guys, and yeah, kind of feel that firsthand, the kind of buzz around Game of Thrones. Donc pour Maisie, en fait, les meilleurs moments, c'est un peu ce genre de moment-là, c'est de pouvoir vous rencontrer, c'est de pouvoir voir l'impact de la série sur les fans dans le monde entier, parce qu'ils oublient, eux, un peu, quand ils sont en tournage, ce qui se passe dans le reste du monde, et ils oublient que autant de gens les aiment, et pour ça, leur travail, parce que ça reste un travail, ça vaut vraiment le coup, et c'est vraiment un moment qu'elle adore. Part of coming back to Game of Thrones after every year is when you, we didn't do it this season though, but when you come into this room of just the cast and the producers, and you read through the script for the first time, and the ending of, I think it was episode 6 of last year, of season 3 or something, when it said something of, no, because we didn't do a read through for season 4, for season 3, and it was like, episode 4, not season. You don't even know what I'm about to say. I think sisters. Something about, like, it was something about Daenerys, and it said something like the dragons flying high over. I knew that. Okay, episode 4. Episode 4, the dragons flying high, and we all kind of get chills knowing that we're like the only people in the world right now who know what's going to happen in Game of Thrones, and it's the best feeling in the world. Alors pour Sophie, un moment qu'elle aime vraiment beaucoup, c'est en fait avant le shooting, quand un an après, des mois après, le cast se retrouve dans une pièce, a enfin les scripts entre les mains, parce qu'il ne faut pas croire, il n'y a pas que nous qui attendons, il y a eux aussi, et qu'ils sont les seuls à savoir ce qui va arriver, et elle se souvient, alors c'est un peu vague de quel épisode il s'agit, mais d'avoir lu que les dragons de Daenerys allaient s'envoler, et à ce moment elle s'est dit, on est les seuls à savoir qu'il va se passer ça, c'est extraordinaire. Well, there's a couple of things. I love doing the Battle of Blackwater. I thought was a fantastic episode. But one of the things, apart from acting on the show, which is a joy because you work with fantastic people, is how much people have taken it to their hearts. I mean, you try to do something good, you hope that it's going to be good, but when you see a reaction like this and the way people have stolen it and made it their own, it's fantastic to be a part of it, and I've never experienced anything like this before, and I am very grateful. Nous sommes régalés devant dans la saison 3, c'est des moments extraordinaires, mais ce que aime Liam, c'est se rendre compte de la manière dont vous les fans, vous vous êtes approprié cette série, vous en avez fait la vôtre, vous en parlez, vous la vivez, vous l'aimez, vous êtes là complètement super heureux, et ça le touche beaucoup, je crois que ça les touche tous les trois. Peut-être qu'on peut demander à... Maybe we could ask one of your fans if they have a question. Donc est-ce qu'il y a un fan courageux, jeune fille? Ah bah elle a été rapide. First of all, I just want to say congrats for your driving lessons, Sophie. Thank you! I read it on Twitter. And I was wondering, how did you react when you watched the 9th episode of season 3? Of the third season, the night Red Wedding. Yeah, the Red Wedding. Well, we all knew it was coming, and I think I'd read the script, and I was there for part of the filming of that, the exterior shots. I didn't really think much of it, like, oh, this is the big episode, and then you sit down and watch it, and you realise, actually, I'm never going to see these
guys, you know, in Belfast again, and, you know, next time I see them, it's not going to be the same circumstances at all. And it does kind of hit home a little bit. And, yeah, it was really sad, and particularly kind of the fan reaction as well on Twitter. People were really angry, and it was awful. Like, it was almost like, oh, too far, you know? And people were like, okay, not cool anymore. Like, you really hurt me. So, sorry. But we're just doing what the books say. La question de cette jeune fille, c'était comment as-tu réagi à l'épisode 309 ? On voit très bien tous de quoi on est en train de parler là tout de suite, du massacre, l'épisode 309. Et ce que rappelle Maisie, c'est que oui, ils savaient très bien ce qui allait se passer dans l'épisode, mais il n'empêche que quand ils l'ont vu, c'est à ce moment-là qu'elle a compris que ces acteurs-là, ces gens-là, elle ne les reverrait plus, et que la série ne sera plus jamais la même, et que ce n'est pas parce qu'elle sait en amont que ça ne la touche pas terriblement. En gros, c'est ça. Est-ce qu'il y a un autre fan courageux qui est Speed ? Yes ! Done, babe ! It's going to be very Speed. Can each of you say something in French, please ? Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? Je te parie. So bad at French, guys. I'm so bad. Bonjour. What about High Valeria? Can you do anything in High Valeria? Varangulis. Have you read all the books? No. No, none of us have read the books, but all for different reasons. I feel like we're doing an adaptation, and you know, that's kind of, I get everything from Aria, from the scripts and from the writers, and I do want to read the books, and I will in the future when Game of Thrones, the TV series, is finished. I would love you to go back and see what was supposed to happen to Arya and what was really written and how, you know, she was supposed to be. But at the moment, if you get too caught up in what the book Arya is like and what fans want from the book and things like that, it just all becomes too much. So at the moment, I'm sticking to the scripts. Donc Maisie explique que non, ils n'ont pas lu les livres, après chacun a ses raisons de ne pas les lire. En ce qui la concerne, c'est pour ne pas s'éloigner de ce qu'elle joue en ce moment. Elle a compris qui était Arya grâce aux scripts, qui sont hyper bien faits, et elle ne veut pas aller plus loin que l'histoire qu'elle connaît déjà. Par contre, quand la série sera finie, dans longtemps, elle s'autorisera à les lire tous. Mais Liam, you said recently that the scripts were so perfectly written and everything was so perfectly organized that there was absolutely no need to be looking further and just be guided by it. Donc, Liam disait récemment que les scripts étaient tellement parfaits, tellement travaillés, tellement bien écrits qu'ils n'avaient pas du tout besoin d'aller chercher ailleurs. Ils se laissaient en fait porter par le travail des auteurs. One of the unusual things with the filming is the fact that we have two units running, two separate film units up running at exactly the same time. So the scheduling has to be absolutely perfect. Not only that, but because the scheduling has to be perfect, the scripts have to be perfect. So when we get the scripts, it's 99% sure that there is going to be no rewrites, no nothing, so that they come to the actors fully formed. And that's so unusual, because there's a lot of rewriting goes on a lot of movies that you do. But these things, they arrive, and almost exactly what we get on the page
is exactly what you see on the screen. So it's very unusual and it's fantastic because they're finished. It's a finished script, which is good. Par la qualité et le travail qui est mis dans les scripts, que 99% du contenu des scripts est ce qu'on voit à l'écran. Ça veut dire qu'il n'y a aucune réécriture, contrairement à des films ou d'autres séries où ils vont rajouter une scène au dernier moment, changer une ligne, changer un dialogue. Là, tout est absolument parfait. Ça demande à ce que les comédiens soient hyper prêts à travailler, qu'ils aient bien révisé leur texte. Mais en tout cas, c'est pour lui une expérience fantastique et très qualitative.